Tâchis d'aller. Dans la vie, on a quelquefois des éveils spirituels avec des choses profanes. Même si on vient d'une famille où on est super religieux, on développe quand même son ego. Et on est prié dans le monde moderne de nous adapter, eh bien, à la vie qu'on nous propose, de performer. Pour ma part, j'étais dans l'école publique, en banlieue parisienne, ensuite dans le sud de la France, et tout en changeant de milieu, en changeant de contexte, ben, j'étais obligé de performer et obligé de développer un ego. Et cet ego, ben, au fil du temps, il devient coriace parce que les enfants, ils sont pas toujours très gentils les uns avec les autres, et encore moins les adolescents qui se cherchent. Cette chanson de Michael Jackson, The Man in the Mirror, a eu un effet incroyable sur ma conscience. Elle m'a ouvert les yeux sur la souffrance qu'il y avait autour de moi et elle a littéralement fait voler en éclats mon ego. C'est pour ça que je tenais à mettre cette chanson en introduction pour parler des initiations bouddhistes. Est-ce que le bouddhisme, c'est une solution pour l'Occident? On a vu dans la précédente capsule que le christianisme avait rencontré de graves difficultés en Europe.